Donc il y aurait un menu cheeseburger, frites coca. Pour beaucoup, la finger food, autrement dit la nourriture qu'on mange avec ses doigts, c'est ça. Hamburger, frites ou hot dog. Qui pourrait imaginer que la finesse et la créativité peuvent se nicher dans ces menus? Qui pourrait croire que même des restaurants gastronomiques s'en font une spécialité? Et pourtant... Enfin, pour Xavier, fan de finger food, la créativité, c'est secondaire. Ce qui l'émeut, c'est le côté nostalgique qu'il n'hésite pas à faire partager à ses amis. Mais moi, je trouve qu'il y a un plaisir de manger avec ses doigts. Typiquement, je prends un exemple tout simple. Effectivement, les quiches Lorraine, par exemple. Truc trop bon. Quand j'étais petit, j'adorais les manger avec des doigts. Je me faisais taper dessus parce qu'il fallait prendre fourchette et couvert. Bon, bah maintenant, je remange mes quiches Lorraine avec les doigts. Et c'est juste un pur bonheur. C'est la même chose. Sauf qu'avec les doigts, c'est quand même vraiment meilleur. Autre énorme avantage de la finger food, adieu la vaisselle sale. Là, vous voyez bien, on a rangé en 2 secondes, un petit coup d'éponge, la tablière pliée, on est bon, on peut sortir. C'est vrai que c'est pratique, mais la finger food, c'est beaucoup plus que ça. Elodie, mère de famille de 37 ans, est une passionnée de cuisine. Elle a même créé un blog. Elle n'est jamais à court d'idées pour renouveler le genre de la finger food. Salut. Ce soir, Elodie organise un apéritif dînatoire pour ses amis. Elle a prévu plusieurs recettes sucrées et salées à grignoter avec les doigts. La finger food, elle en est complètement fan. C'est convivial, il n'y a pas de contraintes. C'est une sensation aussi que les adultes retrouvent, hein, ce plaisir de toucher la nourriture, de pouvoir se lécher les doigts même quand c'est super bon. Au programme, atelier cuisine. Pour que tout soit prêt à temps, quelques amis sont venus prêter main forte. Première recette, une invention d'Elodie, des makis de paella au jambon de Parme. Tadé, je te propose de t'occuper d'émincer le chorizo. D'accord. Fine tranche et puis petit bâtonnet après. D'accord. Caro, tu vas nous émincer l'oignon. Jeanne, tu vas t'occuper du poivron. Ok. Elodie et ses amis commencent par la paella. 2 oignons, 120 g de riz, 60 g de chorizo, un poivron et 60 g de moule. Jusque-là, rien de particulier. Mais ensuite, Elodie va en faire des boudins. Et vous avez bien entendu, des boudins de paella. Pour façonner ce boudin, on va s'aider de 2 outils, d'un petit tapis et un film alimentaire. Donc si ça déborde, c'est pas très grave. De toute façon, on coupe les extrémités après. Voilà. Et on a... Bon. Un joli boudin. 3e étape, mettre les rouleaux de paella au congélateur pendant 20 minutes. Le but, qu'ils soient bien compacts pour pouvoir les enrouler dans le jambon. Ensuite, les couper en tranches épaisses. Une préparation minutieuse qui ne décourage pas nos apprentis cuisiniers. Regarde les petits boudins là, à faire, a priori, on se dit que c'est un peu délicat, mais la seule chose, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire et d'être patient et hop là, voilà. Encore plus facile à faire pour le dessert, des sucettes de cheesecake au chocolat. Une fois que le gâteau est prêt, on forme des petits ronds à l'aide d'un emporte-pièce, puis on les trempe dans du chocolat fondu. Quelques vermicelles de chocolat en plus, et le tour est joué. Amuse-toi! Si on s'amuse pas, on n'a pas la même créativité non plus. Après plus de 6 heures de préparation, eh oui, quand même, l'heure de la dégustation est enfin venue. Et les invités ont intérêt à avoir faim. Alors ça, c'est pour la partie froide. Ensuite, il y aura le chaud, qui est un petit peu plus copieux. Mais ça va nous réchauffer. Crostini aux crevettes, scone au jambon, cône avocat et tartare de saumon rien que pour les entrées. La finger food remporte un franc succès chez les grands comme chez les plus petits. C'est bon, Louise? Ouais, t'es contente? C'est sympa hein, de manger avec les doigts comme ça. C'est une découverte de nouveaux goûts aussi pour elle. Et puis, elle est pas grondée si elle en met partout, si ça tombe. La finger food entre amis, une vraie réussite. Et cette nouvelle tendance n'inspire pas seulement les amateurs. Même les professionnels s'y mettent. Thomas Clouet, créateur culinaire, a inventé 40 recettes à déguster avec les doigts. Sa spécialité, adapter les recettes traditionnelles de la cuisine française pour en faire des amuse-bouches. La choucroute, alors choucroute, on est dans la tradie absolue. Là, moi, je le transforme en tempura de choucroute, vous allez voir, c'est ultra ludique. Et en fait, je remodernise un plat qui est ultra traditionnel. Démonstration donc avec les tempuras de choucroute, en fait, des beignets de choucroute. Pour la pâte à tempura, c'est facile, mélanger un peu de farine de riz avec de l'eau. Je place un petit morceau de saucisse au centre de ma choucroute, je rabats la choucroute tout autour et hop, dans le creux de la main, je vais serrer de façon à faire une sorte de petite boulette.
crampe dans ma pâte à tempura. Et hop, c'est parti! Moins d'un quart d'heure de préparation pour une vingtaine de bouchées. Vous l'aurez compris, le credo de Thomas, des recettes simples et très rapides à préparer. Mais est-ce que c'est bon? Direction le bar-restaurant du quartier pour un petit test à l'aveugle. Les petites boulettes, qu'est-ce que ça peut être? On pensait à des crevettes. Là, pour l'instant, vous êtes très loin. C'est de la morue? Non. De l'oignon? Il y en a un tout petit peu, mais c'est pas ça. Ouais. Un beignet de choucroute, avouez que ce n'était pas facile à deviner. Et pourtant, ça plaît. Ah bon? C'est magnifique, ça. C'est une bonne idée, ça. Une petite choucroute comme ça. C'est des pâtons, tout de même. De manger avec ses doigts de la choucroute pour un petit apéro ou quelque chose comme ça, c'est une super idée. Encore plus surprenant, désormais, on peut manger avec ses doigts même au restaurant et sans se faire regarder de travers. Dans cet établissement très chic d'un hôtel parisien, le chef a créé un menu finger food de l'entrée au dessert. C'est dire si c'est tendance. Le côté finger food va apporter de la convivialité, une certaine décontraction, mais tout en restant chic par rapport aux produits. Ça ne va pas nous empêcher de travailler à la fois le foie gras, le homard ou de la Saint-Jacques. Et oui, la finger food, c'est parfois carrément haut de gamme. Mesdames, voici la suite de votre menu. Le concept cartonne auprès des clients, ravis de pouvoir déguster en un seul repas une multitude de saveurs différentes. C'est vrai que dans un restaurant traditionnel, voilà, on va soit choisir un poisson, soit une viande. Là, ça permet de goûter à tout. Voilà, pour des gourmands, gourmandes, c'est idéal. Là, j'ai une palette de choses totalement différentes, un mélange terre, mer, légumes féculents, poissons, viande. Une explosion de saveurs en bouche, une nouvelle façon de se nourrir et la bonne humeur en plus. Décidément, la finger food a tout bon.